et bienvenue sur Refuge et Joueur. Aujourd'hui, nous allons continuer notre campagne sur Disciples Libération. La dernière fois, les dernières fois, on a trouvé qu'on n'avait pas assez de quatch, assez de force pour faire des attaques et tout ça. Je crois que les mercenaires, il reste que elles, donc je vais pas acheter. J'ai changé l'endroit parce que. Au final, je cache juste pour savoir si je suis full vie ou pas. Tout ça. Donc, obtenir l'antidote dans le campement des morts vivants. On va voir si je suis au bon endroit déjà. Ce serait pas mal. Parce que le but du jeu là, c'est essayer de level up. Quitte à avoir aussi des mercenaires assez badass, parce que j'arrive pas à avancer dans l'histoire parce que je suis pas assez fort. Donc je pense que je suis pas au bon endroit. Est-ce qu'il y a des missions ici? Non. Trouver la sœur de Bestio, chercher les rebelles, trouver le temple, retrouver tout ça, ça. Retrouver chez le vendeur pour échanger avec. Voilà, on va le voir. Je pense que c'est par là. Heureusement qu'on a le poney. Je sais plus du tout qu'est-ce que c'est. Mais je crois que j'avais un truc à faire ici, mais je sais plus. Avec Bejeba. Tout ça, on va voir. Je crois que j'ai j'ai arbre de compétence. Il est où? Magicienne blanche, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas du tout. Rayon, affaiblissement, c'est fort. Vague, ok. Passive et aveuglement, confusion. Oh, ça peut être bien ça. Par contre, hop, vu qu'il porte un nom. On échange. Voilà. Elle vaut 30. Oh la vache. Elle vaut 30. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah non, il faut que je... Oh, c'est pas grave. Je l'ai déplacé, c'est pas grave. Parce que là, je vais le sacrifier. Hop là, le mana. Parce qu'il faut que je sacrifie des personnes. Voilà. Allez, tout arrêté. Ils sont pas ridicules, hein, n'empêche. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Bon, comme d'hab, Miss Tinguette va attendre. On va avancer et essayer d'avoir la lumière éternelle. Non. Bon bah. Faut avancer, donc autant profiter, hein, de toute façon.
Voilà, il avance, c'est tout ce que je voulais. Paralysie. Hop. Pour vous servir. Toui, 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 toui. Pile poil. Eh ben dis donc. La bataille approche. Sans mériter. Ça c'est fait. Il va avancer le plus, plus que possible. De toute façon. Voilà. Ma petite sorcière. Faire ça pour éviter de marcher dans l'affaiblissement. Ah oui, c'est lui qui fait exploser, je crois. Ouais, c'est lui qui fait exploser. Voilà. Comme l'hiver, les vents soufflent. Et viennent. Hop, on va soigner vite fait à Viana. Pipoil. Wing. Elle va essayer d'avancer le plus que possible. J'ai affronté pire que ça. C'est sûr. Et je confirme. Les Emberan. Je m'engage à brûler vos restes. Ah là, c'est fait. J'ai dispé limite Kratos. Hop. C'est génial. Alors, ça, on peut pas retrouver ça. Trouver un moyen pour quitte l'armure. Obtenir l'antidoc. Je crois que j'ai déjà tout fait là, en tour. Je me souviens plus du tout. Bah, je crois que je peux passer, non? Voilà. Bonjour. C'est du niveau 20. Au revoir. Un pantalon en cuir, ok. Il doit avoir moyen d'ouvrir. Bah oui, j'ai vu qu'il y avait encore quelques compagnons à avoir. Ouais, ça aussi ça peut bouger un peu. Est-ce que j'aurais esquivé des attaques par là? Non, bah là il y a... Je cherche le pognon. Eux, je les ai déjà discutés. Voilà. C'est des rebelles. Ah bah j'ai une petite flèche, c'est très bien. Là, alors question. Est-ce que je peux réacheter déjà? Ouais, de toute façon, il me faut du pognon. Réellement, ils vont m'embêter à faire un combat comme ça? Des niveau 5. Ouh. Bon, pas comme d'hab, hein. Allons-y. Hop. Il est préférable de garder une distance.
Tu fais que ça en dégâts? Coché. La souffrance est un feu brûlant. Ah, il y a aveuglement, mais bon. Tour. Gloire. Elle est one-shot pas là quand même. Hein. Hop. Le courant passe. J'ai confondu avec un autre personnage. C'est pour ça que je suis débile comme ça. Et bien. J'aurais voulu soigner à Bad Jack. Et il n'y a pas pu. Hop, le retour. Sans vérité. Hop, comme ça je suis prêt à... Je suis à deux cases. Wow. Allez hop. Hop. Ouais. Je suis ton propre. Ça c'est fait. Perdu. Pourtant il est aveuglé hein, lui hein. Ils sont gentils de me donner que 50 mana. J'ai l'impression qu'ils m'ont donné à... je peux pas prendre. Autant d'XP que combat avec des niveaux 20.
Allemand, j'ai l'impression de ça. Voilà, normalement, je devrais avoir une flèche quelque part. Trouver la sœur de Sheila. Après, peut-être que c'est pas ici. Peut-être qu'il me dit de changer de lieu. Ça, on l'a fait. Si je me souviens bien. Ça. Bah elle est morte. Elle est morte. Je l'ai tuée. Ah oui, c'est pas ici la sœur de Sheila. Oui, c'est... Je regarde si je peux tuer encore des gens. Là, j'ai eu ma succube ici. Là, il n'y a rien. Ça, c'est bon. Ça, c'est une mine. Là, c'est bon. Là, j'ai pas rien ici. Je confirme, j'ai plus rien. Alors, je vais monter voir Orion. Mais avant ça, je vais regarder vite fait les mots de passe. Les mots de passe. Qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà. Oui, ça c'est fort. Voilà. Ça c'est quoi? Et les sorts de... Après je peux, oui. Ce sera pour plus tard. Et je crois qu'il faut que, aussi que je mette des choses, quoi. Ah ouais, ça augmente mes soldats, ça serait pas mal que j'y dise. Pas mal aussi. On reverra. Non. Tout d'abord, les journaux. Les journaux, les journaux, les journaux. Ça, c'est dans les choses à porteur. Je crois que... attendez, je suis amical partout. Est-ce que je peux... Non, il faut que je... Je vois plus qu'amical, je crois. Ouais. Je pense que... où est mon Orion? Ouais, chargement. Regardons la carte. C'est où que je dois aller? La tombe de Watan. Ça doit être là. Sinon, c'est juste à côté, c'est Gréoire. Après, au pire, on peut toujours faire un petit tour pour voir qu'est-ce qu'il y a exactement. Parce qu'il me faut... ah, c'est là. On va voir si je suis assez haut level. Niveau 40.
roseraie forestière. C'était ma demeure. Et en tant que druide, j'étais son protecteur. Oh, pauvre gars. C'est difficile d'imaginer quelqu'un vivre dans un endroit aussi désolé. Les arbres étaient épais, magnifiques. Ils murmuraient sur les âges passés et buvaient grâce à leurs racines plus anciennes que les dieux. Eh ben dis donc. Pas un feu. La forêt semble avoir été détruite de manière intentionnelle. Par la guerre et l'échec. La guerre dans le monde entier et mon échec. Avant de vous rencontrer, j'ai donné ma vie pour la venger. Quelque chose nous suit. Emdur, tu as vieilli. Mélandrak, je ne t'avais pas reconnu. Tu portes sur toi l'odeur du sang innocent. Plus personne n'est innocent. Alors deux choses. D'abord, tu connais ce chat? Et ensuite, depuis quand les chats parlent-ils? Voici Emdur. C'est une panthère garou, mais ce n'est qu'une de ses nombreuses formes. Et voici la libératrice, dont les oiseaux chantent le nom. Tu as le souffle court. Mmh. Tu grimaces. Montre-nous ta blessure. Nous pourrons peut-être la soigner. La forêt et ma blessure, ce sont ses derniers jours. Et avec elle, je mourrai. Non, nous irons voir les elfes. Ils gaspillent les graines de phénix pour des remèdes visant à soigner les soldats blessés, puis les soldats repartent et reviennent avec de nouvelles blessures. Par les saisons que j'ai vécues, je t'en conjure. Les graines ont été volées à la roseraie forestière pour soigner les guerriers. Nous devons les trouver. Oh là là. Eh ben dis donc. Ah, la première note du chant du corbeau. Des voix. Mortis. Puis une autre. Un ange profane. Un ange profane. Il a l'air brisé. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Tout à fait d'accord. C'est un de mes premiers sujets. C'est incroyable de voir à quel point mon art a progressé. Attendez, Maître Hubert. Quand vous avez quitté le séminaire, nous pensions que vous aviez peut-être perdu la foi. Je vous ai maudit pour m'avoir abandonné alors que j'avais besoin de vous. Jolie malédiction, Sébastien. Mais ne pleure pas. J'ai beaucoup appris grâce à son assombrissement. Mon maître, réduit à ça, puissent tous les dieux te maudire de foi, Edjamar. Je suis certain qu'ils le feront. D'accord. Comme je l'ai dit à Ian, c'est ici, avec mes primons éveillés, que nous devons commencer le rituel de la danse du corbeau. Et tout commence par un sacrifice. Ah, commençons. Dégaine ton arme, vieille charogne. Les niveaux 32, je suis niveau 32, 34, 33 également. Je sais plus qu'est-ce qu'ils foutent, eux. L'arme du chevalier fait des dégâts. Ok, et enjure. Ok, qu'est-ce qu'ils ont en passif? Affiche enjure aux ennemis dans un rayon à que... ok, enjure et ligne de fond. Ok, et ligne de fond, on sait qu'est-ce que ça fait. Voilà. Donc c'est Humbert de l'ailier 4. Sachant que lui, il a comme le soin, mais à l'inverse, il fait des dégâts. Ouais, je pense que ça ira. Je suis pas sûre, mais ça pourrait... Ah, ok. Il faut que j'ai... Voilà, il faut que j'ai Gemar obligatoire. Et lui, c'est un niveau 31. Et c'est ça qui me chagrine. Voilà. Voilà, c'est ça qui me chagrine. Ah, j'ai froid quand même dans la nuit, hein. Ça réfléchit. Je suis en train de réfléchir. Faut pas oublier que si Egemar tue avec sa malédiction, il peut
J'ai bien, il peut transformer ses victimes en morbac. Je dois garder une distance. Dommage. Bon bah tant pis hein. J'aurais voulu faire un pas de plus, mais bon. Toing. La souffrance est un cadeau. Provocation. Ouf. Je peux soigner. Non, là, je tue mon compagnon. Alors. J'ai bien envie de me mettre là, mais bon. Faut que j'avance un tout petit peu. Pour faire une explosion sur... sur lui. Après, je peux faire ça. Allez. Un petit soin, ouais. Je peux rien faire avec l'autre. Ouais, là je vais bloquer. Des soins. Hop là, l'empoisonnement. Mes flèches sont affamées. Et on va se déplacer ensuite. Je trouverai une cible à découverte. Être sûr de laisser passer. Allez, Coco. Saignement, c'est pas mal. Voilà, et on va reculer. Allez hop, ça c'est fait.
Allez, hop. Boing. Surtout qu'il a saignement, lui. Voilà. Boing. Je crois qu'il n'est pas encore mort. Ça c'est fait. Mortis, utilise mon corps. Ok. Provocation. Normalement, je tue. Ah, je le tue pas. Ok, bon, non. Oups. Hop. On va faire la technique. Comment ça s'appelle? Harcèlement. Doing. Doing. Bah, tu vas te déplacer et tu vas essayer de convertir ce gentil bonhomme. Non, ok. Provocation. Il a tout compris à la vie. Ouais, allez, on tape. Ah bah. Pour Mortis, meurs et sois éveillé. Ok. Bon, allez, il peut pas tout tout le temps. Oh, le vilain. Ah, il a disparu. Je suis ton corps. Hop. Et je vais essayer de le diminuer. Afin de pouvoir le convertir. Hop. Pas grave. Par le cœur forcé de Galéan, je laisse la vie. Hop. Pourrais-tu la mort? Ah là, c'est tout ce que je voulais. Et la mort est proche. Ça me permet de faire une régénération. Oh là là. T'as ça fait. Oh bah, mets-le la fièvre sur le... Il viendra pas.
trouverai une cible à découverte. Mes flashs sont affamés. Hop là, ça c'est fait. On t'en profiter. Avi va avancer et gentiment le tuer. Trois morts, ça va. Avec un level up pour notre cher succube. Parce que c'est pas une succube, c'est une harpie. Voilà, cherchez. C'est juste que dans certaines mythologies, la harpie et la succube, c'est la même chose. Quasiment la même chose. Donc, voilà. Oui, oui, ça continue. D'abord ma chère et tendre à Greylif, puis ici et maintenant. C'est là que tu m'expliques de quoi il s'agit. Des danses et des chants de corbeaux. Ça pourrait être sympa sans tous ces sacrifices. C'est la source de tout. Le pouvoir. Mon pouvoir qui revient et qui grandit. Le chant du corbeau est le rituel qui éveille mes enfants jadis mortels de leur sommeil de mort. Mais la danse, oh oh oh, quelle danse! C'est la récolte du pouvoir qui éclot en eux. Il y en a d'autres, jeunes démons. Trois autres. Nous devons les trouver et les récolter. La danse ne fait que commencer. Ça t'est déjà arrivé de raconter une blague et en entendant le rire horrible d'une personne, de te dire de ne surtout plus jamais la faire rire? Essaie de comprendre, Ori. Edjama rit juste un peu... Enfin, beaucoup. Oui. Il l'est beaucoup. Ah oui. J'ai pas pris. Personnage unité, parce que là je commence à avoir des unités... en pagaille et que je peux sacrifier, exemple les initiés comme ça. La nécromancienne ça vaut 30, ça ça vaut 30, ça ça vaut 10, ça ça vaut 20. Je vais prendre la panthère garou devant et le berserker. Le berserker, je vais le mettre en dessous. Voilà. Est-ce que je peux vaincre? Oui, c'est gratos, autant profiter. Je perds aucune énergie. Et ça me permet de faire des level up. C'est vrai que j'ai pas de soins ici, à part près des dragons. Et les dragons, si je me souviens bien, c'est à peu près par là. Plus tard. Les dragons. Je peux monter par-dessus? Non, quand même. Je me disais. Voilà. Ça, c'est... Ah non, c'est une source de mana. Ah, si. Je sais plus qu'est-ce que je leur ai dit. Maintenant, ils me font la tête. Ah, c'est surtout que lui, il veut faire mal. Voilà. Là, niveau 29, je peux toujours pas les vaincre. Parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Lui, ça va. Niveau 29, non. Ah ça va, on avance, on n'est pas les meilleurs, mais on avance bien chaud. Ça c'est capturé. Descendance du nécromancien. Regardez-moi cette horde de bêtes sauvages. Ce ne sont pas mes plus belles créations, mais elles renferment néanmoins un pouvoir à récolter. Si c'est le cas, alors récolte-le donc. Mmh. Niveau 31 quand même, hein. On va quand même le faire. Mmh.
Bah, si je peux... si j'arrive à... Oh là. Bouclier osseux. Si ça me permet... si je peux me mettre là, mes petits problèmes, je vais être déjà encerclé. Autant que je fasse juste un pas et que je tabasse le petit. On va immobiliser celui-là. Et lui, on va faire tournicotan. Ah, je croyais que ça allait le tuer. Ah bah, ça l'a tué. Affaiblissement. Je veux juste voir un petit truc. Ouais, c'est pas grave. Je verrai plus tard. Provocation. De toute façon, le minou, il allait l'attaquer, un truc. Eh oh, c'est bon? Mon minou! Ça, c'est pour soigner. Bon, on va la soigner. Ben là, on a une belle... une belle... Je cherche mes mots. Une belle ligne. J'ai un Mac. Tu es qu'un comment dire gentiment le mot que je veux utiliser. C'est pas un bon à rien, c'est pas. Oh non, c'est vache. Je voulais le soigner juste après. Ça c'est fait. C'est sûr. Ah, il a pris fort ce vilain. Ah bah, oh le critique. Ouais, mais là, ça... Ouh, ça picote, hein. Mes flèches sont affamées. Je m'engage à brûler vos restes. J'essaye surtout d'essayer... de faire la technique de l'harcèlement, c'est-à-dire je n'en vise qu'un seul et puis c'est lui qui prend tout. Provocation. Je peux rien faire quand il y a provocation comme ça. Provocation. Mmh.
Non. Allez. Non, me dis pas qu'il meurt pas. Ah, il meurt pas. Et me fais pas le critique maintenant. Les quatre paradis t'attendent. Je sais même pas qui pourrait être plus intelligent à viser. C'est pas que je ne veux pas qu'il y ait... Je suis en train de réfléchir qui serait plus intelligent à tuer. Sachant que... Faut pas oublier que le soda squelette, s'il meurt une fois, bah il revit à 1000 life. Yes. Et il fait un critique, le vilain. Ah, c'est génial. C'est de l'humour, hein. C'est vraiment... Je sais même plus qui je visais. Je voudrais bien avoir le pouvoir immobilisation et me barrer. Mais je peux pas. Voilà, un petit soin mais vraiment minime. Bah ça sert à rien que je me barre, j'ai pas de déplacement. Il peut pas. Il peut pas. Il fait pas santé, mais...
avec plus grande des volontés, il peut même pas. Il aurait pu le tuer. Mais il peut pas. C'est aussi les au fond. Mais si je fais ça. Allez. Je peux pas attaquer, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et on soigne pas mal, les copains. Voilà. Je peux même pas. Donc elle va attendre. Elle est coincée de toute façon. Après, ce que je peux faire, c'est ça. Essayer de tuer le... celui-ci. Il devait faire des déplacements de toute façon. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Quand je vois manquer, je suis là, super. Après, on est à 3 contre 3. C'est encore possible. En gros, le soin, le dernier soin que ma harpie a fait, a rendu 61. Et à cause des poisons et tout ça, je perds 65 points de dégâts. Ouais, c'est ça. 60 points de vie. En gros, je gagne 1 point de vie. Et je vais me déplacer là. Faut que j'arrive à bouger ma... celle en bas parce que sinon elle pourra jamais attaquer. Survie. Provocation, oui. Oh, le manquer. Non. Je suis coincé. Je peux pas. J'ai mal joué. Faut qu'elle survive deux tours. Je laisse la tribustine. Et la défesse avec le crachat de sang. Ouais, ça doit être celui-là.
Ah, je vous jure. J'ai juste... Ok. Et là, je vais chercher le soin. Ok. Jack. Là, c'est là que je vais juste perdre. Ok. Ça, je peux pas encore le faire parce que j'y arrive pas. Ah, je peux vaincre. C'est bien. Ça, c'est un mana. Je suis en train de m'embrouiller. Bon, après, là, c'est un peu d'XP gagné. Gratos, si je peux dire. Ah! C'est pas gratos, mais bon, on se comprend. Voilà, on passe par là. Là, je sais que je peux pas. Ils m'ont dit que tout à l'heure, c'était pas possible. Voilà, ça fait du soin. Après, est-ce qu'on va pas se quitter là? Parce que là, ça fait 57 minutes que je suis avec vous. Et si je recommence à combat, je vais rester à... beaucoup. Voilà. On va voir au passage qu'est-ce que ça donne. Voilà. Je sais pas si c'est possible. Ouais. Je vais peut-être voir où est les graines de phénix. Et je pense qu'on va se quitter là. Est-ce que je me doute que les graines de phénix se trouvent là? Ok. C'est eux. Ok, ok. Bon, on va se quitter là pour cette partie 26, si je me trompe pas. Prochaine fois, nous allons voir si on peut tabasser gentiment les elfes et voir si je peux faire encore de level up. On verra ça plus tard. Allez.